35e édition permet de récompenser ses talents, ses personnalités d'exception, vivantes, mais aussi celles qui nous ont quittés, justement, et qui font partie de cette Guadeloupe. La personnalité que nous allons présenter est certes décédée, mais son empreinte dans les rythmiques traditionnelles indiennes, hindoues, se perdure encore aujourd'hui à travers les actions menées par les descendants, les enfants, les petits-enfants. Et cet homme a été pendant de nombreuses années le porte-parole, le symbole de toute la communauté indienne qui peuple la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe est multiple. Et ce soir, la région Guadeloupe a tenu à lui rendre hommage. Et je vous demanderai tout simplement de regarder ces images qui vont refléter le personnage que nous célébrons ce soir, Monsieur Clermont Lalsingué, s'il vous plaît, en images. Clermont Anastase Lalsingué, prêtre hindou dit Pusari, en tamoul et maître de cérémonie indienne dit Vatialou, Clermont Lalsingué était auteur, compositeur et chanteur en tamoul. La transmission de son savoir a demeuré une de ses ambitions premières jusqu'à son dernier souffle. Né le 15 avril 1935 à Barboto, à Port-Louis, Clermont Anastase Lalsingué a grandi dans une famille d'ouvriers agricoles venus en Guadeloupe travailler la canne à sucre. Il était entrepreneur de travaux agricoles. La rigueur et l'honnêteté sont deux qualités qui ne lui ont jamais fait défaut. Fervent défenseur de la culture indienne, son entêtement et sa spontanéité forceront le respect de chacun de ses interlocuteurs. Il voyagera à de nombreuses occasions en Inde afin de perfectionner ses connaissances culturelles. Il enseignera ses acquis à l'occasion de cours donnés dans son groupe, le Nataraja. Il transmettra avec détermination son savoir au public guadeloupéen et à sa famille. Il adaptera les chants indiens en créole afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Ses connaissances culturelles et cultuelles indiennes seront reconnues par tous les membres de la communauté qui le célèbrent depuis son décès. Homme de paix et de sagesse, Clermont Anastase Lalsingué aura laissé une trace indélébile dans l'esprit de chaque personne ayant croisé sa route. Clermont Anastase Lalsingué, mesdames et messieurs, vos applaudissements pour remettre son prix. Je demanderai à Madame Félix Assibambuc de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, avec les applaudissements du public. Vice-président de la région, commission culture. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vos applaudissements. Restez avec nous, s'il vous plaît. Madame Félix Cassibambuc, et nous attendons l'hôtesse avec les lois d'or. Nous attendons l'hôtesse avec les lois d'or. Lal. Qui c'est? Parce que je pense que c'est la... Lal. Un souffle qui ne meurt. Un souffle qui demeure. Les morts ne sont pas morts. Ils ne sont jamais partis. Ils sont dans le cœur de leurs bien-aimés. Ils sont
sur la scène des vivants. Ils sont dans le rire des enfants. Les morts ne sont pas morts. Ils ne sont jamais partis. D'un univers à l'autre, ils portent fièrement le flambeau de leur culture jusque dans l'au-delà. Oui. Madame Félicie Assibambuc, je vous laisse le soin de remettre cet éloi d'or à la famille Lassinguet. Oui, mais je pense aussi que c'est sa veuve qui l'a. Donc, elle va nous dire deux mots. Et puis, ce sont vos petits-enfants. Voilà. Hein. Des enfants et petits-enfants. C'est une très belle famille. Et je vous remercie donc de venir chercher cet éloi. Venez. Qui c'est qui va dire un petit mot? Voilà. Okay. Alors, je vous le confie, c'est l'éloi. Et vous dire toute la reconnaissance de la région Guadeloupe. Pour le travail accompli, l'œuvre finalement de M. Alsinguet. Et c'est vrai, son souvenir va nous rester très cher. Surtout que vous savez bien que notre communauté maintenant s'épanouit. La semaine prochaine, à Petit Canal, il y a des fêtes sur justement les danses indiennes. Et je crois que ça a duré. Voilà, ce sont les danseuses en plus hein, de la fameuse fête, la grande fête finalement, patrimoine culturel indien. D'accord. Je vous remercie, je remercie la région et c'est regrettable qu'il ne soit pas là, mais je l'accepte pour lui. Merci encore. Comme il est mélodieux en début de manifestation, Neil Vanekom. Bonsoir à tous. Je pense qu'il aurait été fier et même honoré d'être parmi nous ce soir. Il a beaucoup œuvré pour le maintien de la culture et la tradition indo-guadeloupéenne, parce qu'elle nous est propre. Excusez-moi. Nous avons perdu un membre de notre famille, mais la culture hindoue a perdu un pilier. Peut-être par récompense, l'année avant son départ, ma sœur et moi avons été élus Miss Sari et Miss India. Je pense que ça a été une récompense pour lui. Il est parti, nous a laissé, mais nous essayons de faire, tant mieux que mal, le travail qu'il a commencé. Merci. Robin Andri, merci beaucoup. Voilà, de l'émotion. Et ces deux Miss que vous voyez là ne sont autres que Miss India 2011-2012 et Miss Sari 2011, que je vous demanderai d'applaudir, s'il vous plaît. Voyez, quand on est dans la qualité, ça se transmet de génération en génération. Pour refermer cette page, j'ai envie de dire, si vous le voulez bien, nous allons entendre quelques instants cette musique significative de Clermont-Lalsinguet que nous avons retenue. Oh, ne vous inquiétez pas, nous avons préparé quelque chose de spécial pour vous et je laisserai le soin à nos techniciens d'envoyer la musique, tout simplement. Clairement, l'Alsinguet. Voilà. Nous vous invitons donc, avec l'émotion, forcément, ben oui, que d'entendre la voix de ce grand homme. Demandez de les applaudir bien fort, s'il vous plaît.
Manifestation symbolique ce soir sur ces artistes qui font un travail magnifique et qui sont si peu récompensés finalement. Et heureusement aujourd'hui que nous avons cette démarche avec la région justement, que d'apporter cette contribution afin de les encourager dans ce long chemin qui est cette carrière qu'on essaie de développer individuellement ou collectivement selon qu'on soit artiste individuel ou qu'on appartienne à une formation. Winnie Kaona, vous connaissez, hein, n'est-ce pas, ce sujet. Tout à fait, la route n'est pas toujours parsemée de roses. Parfois, ce sont des pierres. Et oui, mais heureusement qu'on reste positif et qu'on avance, n'est-ce pas? Absolument. Et puis, pour ces jeunes, c'est un encouragement qui leur permettra d'aller au-delà, sans attente, simplement d'être, simplement, de prêter leur voix en tant qu'instrument, de façon généreuse, tout simplement, de façon enchantée. Enchantée, je dirais toujours, les cœurs. Avec les applaudissements, voilà. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous parlons de jeunes, oui. Encore jeune. Encore un jeune. Et un jeune, oui. Tu sais, que j'ai connu, oui, dans ses débuts. C'est vrai? Ah oui, ah oui. Ça te rappelle quelque chose? Il y a une sacrée histoire, là. Stardom, oui, entre autres. Ah. C'était en 2002, 2003. Eh bien, c'est encore un filleul. Eh oui. C'est encore un filleul, je n'en dirai pas davantage. D'accord. Il s'appelle... Un filleul qui, aujourd'hui, mène une belle carrière. Oui, oui, oui. Qui offre ses propres compositions. Et que ça lui va bien parce qu'il a pris... Du coffre. Oh, du coffre, on ne dit pas poids, on dit non, coffre. Non, mais il est bien, mais c'est un bel homme, écoute. Non, parce que moi, ça me concerne quand tu parles de poids, ça me rend un peu... Tu vois, c'est... Oh non. Alors, mais vous verrez, comme il est beau, il est beau, il est à l'image de son talent. Exact. Voilà. On va le découvrir à travers ces quelques images, et pour remettre le prix à ce personnage, je demanderai à monsieur le président de l'archipel, monsieur Philogène, de venir nous rejoindre. Et pendant que M. Philogène nous rejoint, je vais annoncer celui qui est donc récompensé dans ce coup de cœur. On le dit? Oui, je vous laisse le soin de le faire. Éric Pédurand. Éric Pédurand, s'il vous plaît, en image. Auteur précoce, Éric écrit ses premiers textes dès l'âge de 15 ans, comme pour déverser un trop plein d'émotions. La composition musicale deviendra un de ses passe-temps favoris. L'agitation des rues de Pointe-à-Pitre, une vie antillaise, seront la source d'inspiration d'un style que l'on dira unique, urbain, coloré, douloureux, voire envoûtant. En 2003, à l'âge de 17 ans, il se laisse convaincre par ses amis de participer au concours Stardom et termine 3e. Mais tout le monde reconnaît le potentiel artistique de l'adolescent. 2 ans plus tard, motivé, Éric s'envole pour Paris et sur les bancs de la faculté où il étudie les langues étrangères. Il publie en parallèle son premier album, Chaillé-Cor, qui connaîtra un vif succès. Le style musical d'Éric Pédurand plaira au public, mais également aux professionnels de la musique de par son originalité acoustique. Si ou pas là, en belle journée, sont les morceaux références de l'artiste. Chaillé-Cor devient incontournable. En 2010, il gagnera le concours 9 semaines et 1 jour, concours de chant organisé dans les départements et territoires d'outre-mer. Devant le succès, Chaillé-Cor ressort en édition collector et Éric part en tournée mondiale avec le groupe mythique Kassav. Sur les routes, il apprend de ses aînés et repense son héritage musical. Aujourd'hui, Éric a la maturité nécessaire pour aborder des thèmes d'homme, la solitude, les tentations, l'amour. À chaque opus, son histoire. Son prochain album en préparation en raconte une nouvelle. Mesdames et messieurs, Éric Pédurand, s'il vous plaît. Merci. Merci. Eh bien, je crois que. Oui. Merci. Je crois que c'est mieux de ne pas préparer de discours. C'est plus spontané. Et puis, ça me permet d'aussi faire des erreurs, de dire des bêtises. Et comme moi, j'aime bien dire des bêtises, alors je vais m'en donner à cœur joie ce soir. Enfin, vraiment merci à toutes ces personnes qui ont pensé à ça ce soir. Je me sens vraiment ce soir. Tout d'abord, artiste guadeloupéen. Et ça me fait plaisir, alors que je suis au début d'une carrière que j'espère longue, belle, grande. Et ça me fait du bien de sentir que mes aînés, mes parrains, ma reine pensent à moi et me disent écoute, on donne un coup de pouce et on espère que tu feras une très longue carrière. Je pense à toutes les personnes qui étaient là depuis le début. Et forcément à ma famille, et je pense à toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ce premier album.
et les personnes qui m'aident aussi à faire ce deuxième album, et je pense particulièrement à Gonaëlla 2 qui m'accompagne, et à vous. Merci beaucoup. Et à vous, au public. Merci. Merci. La parole à Monsieur Philogène, qui remet donc ce prix, participation à l'enregistrement d'un album en 2013, voilà, qui devrait être un sacré coup de pouce. Un très grand plaisir que de remettre ce prix, ce coup de cœur, à un jeune qui témoigne du fait que la jeunesse, c'est notre avenir. Je lui souhaite de bien continuer son parcours avec beaucoup d'humilité, parce que l'humilité s'harmonise avec l'amour, et l'amour consacre le succès. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement la présidente de région et la région d'avoir choisi l'archipel pour cette manifestation dont la sonalité est en adéquation avec la noblesse du geste. Merci. Voilà. Monsieur Philogène, président de l'archipel Seine Nationale. Et ce n'est pas un hasard, vous le voyez. Alors, mon cher ami, je te remets ceci avec beaucoup de sincérité et aussi beaucoup d'amour, parce qu'il nous en faut dans la vie. Merci, Winnie, de m'entendre le micro. Ça me rappelle les beaux moments que nous avons vécus ensemble. Oh, mais tu ne leur diras pas tout, voyons. Non. Que ce soit marié cette fois. Non, je sais que... Je vous connais déjà. Ouais. Vous êtes prêts. Non, je vous connais. Mais rassurez-vous, nous avons collaboré ensemble dans pas mal de comédies musicales. Et nous avons eu l'honneur et le plaisir de représenter la Guadeloupe dans pas mal de manifestations en France. Tout à fait. Oui. Félicitations. Tu dois chanter. Éric ne va pas nous laisser comme cela, n'est-ce pas ? Une voix comme celle qui s'écrit aujourd'hui dans cette continuité des élois ou des coups de cœur. Je ne vais pas partir comme ça, je vais quand même chanter une chanson. Voilà, tout simplement. Hein, si vous voulez. Hein. Allez. Éric Pédurant, s'il vous plaît, vos applaudissements. Soleil a pu lever moi qui avait décisé, doudou, si ou pas la moins qu'à mort. Toute journée peut passer, toute zombie peut siffler, doudou, si ou pas la moins qu'à mort. Si ou pas la moins qui tombe, oh. Si ou pas la moins qui tombe, oh. Si ou pas la moins qui tombe, si ou pas la moins qui tombe. On l'a vu tomber, on l'a mou fini. Ça casse un conci pour nous, ça mort. On s'y mène passé, ou pas qu'à venir. Sans mi pas qu'à venir encore, ça mort. Si ou pas là, moins qui tombe. Oh, si ou pas là, moins qui tombe. Et que m'en dis en pardon, m'en dis pour mettre vous plus ça. Moins de moins pas vers moi que. Arrêté songer qui j'en moins fait, doudou pour moi laisser sa mort. D'avoir ça t'es serré mon pâté que j'en couais, doudou t'es que laisser sa mort. Si ou pas là, moins que tombé. Oh, si ou pas là, moins que tombé. Pas ni jour, pas ni l'envie, parce que y'a moins j'attire en confit. Parce que moins j'en veux pleurer qu'on patini. Y'allez où vous dites ces qualités moins patini. Son je n'ai pas nous te mettre ensemble. Ah non, harmonie non pas mon bébé pas j'insomme. Ou vite ça veut moins c'est ni plusieurs femmes. Aïe mon bébé pas dit c'est tout très y'a moins qu'à fond. Moins pas ni goût, moins pas ni l'envie. Pas qu'arrivé ouvert c'est moins pas ni l'envie. Oh, dans mon âge j'me lève l'envie. Comme mon cabouet top café qu'à lève l'envie. Oh, si ou pas là, moins qui tombe, moins qui tombe.
Là, pour arriver ici, à part pour jeudi jour sa mort. Ou parti en bas là, pour arriver ici, à part pour ça pour jeudi jour sa mort. Quand des gens parlent en moins, quand ils sourient, à bas la peine réfléchir, si vous loin, ça va ailleurs. Bien qu'ils nous rient, bien qu'ils aiment l'homme nous. Mesdames et messieurs, Éric Pédurant, s'il vous plaît. Merci. C'est un plaisir.